Depuis sa création en 1766, le musée Fragonard de l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort était uniquement réservé aux étudiants et aux vétérinaires. Depuis quelques mois, il vient d'être ouvert au grand public. Et 30 millions d'amis vous proposent d'en découvrir l'étrange et étonnant contenu. Son contenu est multiple. Il y a déjà un contenu entièrement vétérinaire qui intéresse particulièrement les spécialistes et les étudiants vétérinaires, comme les dents, par exemple, qui permettent de déterminer l'âge du cheval, de la vache, du porc, du chien. Il y a également des pièces extraordinaires comme les écorchés de Fragonard. Enfin, des pièces étonnantes, mais en même temps un petit peu scientifiques, comme les monstres, avec différents types de monstres animaux et même de monstres humains. Également des calculs et des corps étrangers qui sont également assez étonnants par leur forme, leur taille, leur origine. Et tout ceci donne au public un grand intérêt pour voir l'ensemble de ces pièces. Alors, il y a deux types de visites. Soit une visite autonome, individuelle, et dans ce cas, le visiteur a la possibilité de louer une petite cassette audio qui lui commente les pièces intéressantes avec la petite histoire ou le côté un petit peu leçon de choses. Il y a un deuxième type de visite pour les groupes où là, s'ils le désirent, ils peuvent être commentés par un étudiant de l'école qui fait une visite qui dure environ une heure et quart. L'origine des écorchés est Honoré Fragonard, le cousin germain du peintre Jean-Honoré Fragonard, qui a été le premier directeur et le premier professeur d'anatomie de l'école vétérinaire d'Alfort. L'intérêt de ces écorchés, sur le plan scientifique, est assez limité. C'est-à-dire que Honoré Fragonard avait à sa disposition une technique de dissection et de conservation des corps, et que cette technique, il l'a mise au service de l'art comme une sorte de violon dingue. À côté de ces écorchés, il avait fait d'autres pièces, plusieurs milliers, qui étaient, elles, beaucoup plus intéressantes sur le plan scientifique, mais qui ne nous sont pas parvenues. La pièce principale est le cavalier, c'est-à-dire un homme monté sur un cheval en plein galop, qui est une pièce emblématique représentant le cavalier de l'Apocalypse, de Dürer, qui était vraiment une figure très très connue au XVIIe, c'est-à-dire un siècle avant Fragonard. Ce cavalier, il y a une légende assez amusante qui court sur lui. En effet, on a pensé dès du vivant de Fragonard que ce cavalier était la fiancée du même Fragonard qui était morte quelque temps avant. Et lorsqu'on posait la question à Honoré, il ne répondait pas à savoir si c'était sa fiancée ou non. Donc la légende a couru de son vivant. Une autre pièce importante des écorchés qui sont encore au musée Fragonard d'Alfort, c'est l'homme à la mandibule, également une pièce emblématique du XVIIe siècle représentant Samson avec une mâchoire d'âne à la main qui détruit l'armée des Philistins. Et là, on retrouve bien cette impression d'agressivité avec l'homme brandissant une mâchoire de cheval qui est depuis deux siècles dans cette position menaçante. À côté de ça, il y a quelques pièces comme une antilope, qui était un animal exotique de l'époque, un lama, pour les mêmes raisons, des bustes humains et des petits fœtus humains représentés dansant tels des farfadets autour de l'homme à la mandibule. Forte de son passé, l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort continue, bien évidemment, à accueillir sans relâche, en consultation publique, nos compagnons de tous les jours qui ont eu le malheur de tomber malades ou d'être accidentés.